Lara Fabian était au château de la Star Academy ce mercredi 24 janvier auprès des candidats du télécrochet de TF1. Une expérience qui a particulièrement touché la chanteuse et Pierre. Julien, Elena et Pierre, les trois derniers élèves présents dans le château de la Star Academy 2023, viendront bientôt leur aventure prendre fin. Le samedi 3 février prochain, ils connaîtront le nom du grand gagnant de cette édition. En attendant, ils profitent du passage de personnalités entre les murs de leur école pour cumuler de l'expérience. Ainsi, Pierre, au bord des larmes, a vécu un moment très spécial avec Lara Fabian. La chanteuse francophone proposait en effet une masterclass au cours de laquelle l'élève a été tour à tour déstabilisé et ému. Un moment qui a aussi été très fort pour l'interprète de Tout et J'y crois encore. La transmission est définitivement la plus belle partie de ma vie, Lara Fabian enthousiaste après son passage à la Star Academy. Lara Fabian, à peine sortie de cet échange avec Julien, Elena et Pierre, accordait une interview à Télé Loisirs. Elle est revenue, pour nous, sur cet après-midi avec les Star Académiciens, ça s'est passé à merveille. C'était touchant, nourrissant, la transmission est définitivement la plus belle partie de ma vie en ce moment. Ils sont magnifiques ces gamins, ils sont d'une beauté intérieure et extérieure incroyable. Puis elle est revenue sur la séquence forte vécue avec Pierre, très ému, il avait besoin de réintégrer une émotion connectée. Quelqu'un qui vous prend juste dans ses bras, ça peut vous aider à revenir à l'endroit où vous êtes connecté, votre cœur se remet dans l'alignement de ce que vous devez faire. Plutôt que des palabres, parfois, juste une étreinte peut fonctionner. Lara Fabian attendue samedi soir sur le prime de la Star Academy aux côtés de Nico Saliagas afin d'accompagner les trois ultimes élèves du château de Damary-les-Lys. La programmation de la Star Academy a vu grand. Ce sont cinq grandes voix francophones et internationales qui ont accepté l'invitation de TF1. Après sa masterclass, Lara Fabian sera de retour auprès des candidats samedi, tout en étant présente la veille dans Dream Team sur TF1, sur la scène du programme, renouvelé pour une prochaine saison. À ses côtés, Gims, Woodkid, David Hallyday et la chanteuse britannique Sophie Elise Bextor. Au terme de cette soirée, les téléspectateurs connaîtront le nom des deux finalistes de la Star Academy 2023.